Bonjour à tous les gamers. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite Dragon Age Inquisition. La dernière fois on s'était arrêté là et on avait dit qu'on allait qu'on aurait été là. Là et puis golf alors. Je vois qu'on n'avait jamais récupéré les éclats. Donc on va récupérer les éclats avant de partir. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi on n'avait jamais été. Hein, vous vous souvenez? Moi je me souviens très bien. Les dragons. La rencontre inattendue. Voilà. Donc non, c'est bon, je ne vais pas y aller. Il est hors de question que j'y aille. Même en mettant la magie disparition, je sais plus c'est quoi le nom exact. Hein. Qu'on est fantôme là. Je pense que même en faisant ça, ça va pas le faire. Mes équipiers vont mourir, enfin peut-être le bordel un peu. Alors, hop. Ça va être par là, je crois. Ça me dit qu'il y a quelque chose. Voilà, route de golf alors. Route de golf alors. Alors, j'espère que ce coup-ci on nous laissera rentrer. Parce que la dernière fois j'avais déjà essayé et puis on nous avait dit non, la porte est fermée tant que vous ne prouvez pas que c'est de l'acquisition. En gros c'est ça, j'ai plus le terme exact mais en gros c'est ça. Donc on va voir si là c'est possible. Alors il y a même une faille par là qu'on avait faite. Hop. Ah bah on a une faille là aussi, il me semble. Je crois que j'ai bien envie de faire un tour dans une petite maison là. On va voir ce qu'il y a. On ne sait jamais. Ah bah voilà. Il y a un petit coffre, ça se refuse pas. Ok. Faites attention voyageuse. Le voile est déchiré et seul le créateur sait ce qui pourrait en sortir. En gros, il y a une faille, quoi, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi me dire, ouais, machin, un truc, non. Dis-moi clairement, il y a une faille. Ok. C'est quoi ce truc-là? Alors, on s'énerve pas comme ça, les gens. Hop, et hop. Ah non, je suis tombé de personne. Allez, un de moins. Allez, deux de moins. Perturbé. Voilà. C'est parti où vous? Oh putain, comment il se fait dégoûter de voir là. Allez, je vous donne pas de directive. Je sais que vous êtes assez grand. Depuis quand Varric a une arme? Allez. On est bien là. Très bien même. C'est vrai que tu peux prendre une épée et tout, fallait peut-être le dire, hein, ça m'aurait évité de faire des conneries, quoi. Enfin, c'est quand même rien de se parler, mais... Bon, bah voilà, on va fermer la faille tranquillou. On va prendre une petite potion. Et voilà. C'est quoi ça? Cette faille a modifié la manière dont le temps s'écoule autour d'elle. C'est... Je n'en saurai peut-être plus. Il y a de nombreux mages à Golfalois. Par la grâce du Créateur. C'est fini? Ouvrez les portes. Attendez, hein.
Je fais ma petite réserve. C'est quoi là? C'est quoi? Une embrume. Embrume. Ok. Bon bah c'est bon, la porte est enfin ouverte. Donc c'est cool. On a fait passer le mot que l'Inquisition était en chemin. Mais sachez que personne ne semblait nous attendre. Personne? Pas même la grande enchanteresse Fiona? Si c'était le cas, elle l'a gardée pour elle. On a demandé à utiliser la taverne pour les négociations. Agent de l'Inquisition, toutes mes excuses. Le magistère Alexius est aux commandes désormais, mais il se fait attendre. Il ne devrait plus tarder. En attendant, vous pouvez discuter avec l'ancienne grande enchanteresse. Le voile est plus faible ici, Kadars. Il n'est pas seulement plus faible, il est altéré d'une manière que je n'avais jamais vue. Ma mère Gisèle qui est avec nous. Ça, c'est bizarre, hein. Franchement, ils sont assez bizarres. Hop là. Hop. On va prendre tous les défilés sans qu'on croise, hein, de toute façon. J'ai envie de dire. On a tellement manque d'elfidés pour les potions. Découverte du village de Golfalois. Hop là. Alors attendez. Beaucoup de choses, hein. On va faire par ordre, c'est beaucoup mieux. Tous ces gens qui meurent juste parce qu'on manque d'herbe. Excusez-moi, je peux vous aider? Vous manquez d'herbe? Vous êtes à court d'herbe médicinale? Oui, les attaques de ces fichus templiers font beaucoup de blessés. J'ai besoin d'herbe pour les soigner. C'est trop dangereux d'aller en cueillir dans les collines. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. Vous aidez les réfugiés? Il y a des réfugiés au croisement. Ils auraient bien besoin de l'aide d'une guérisseuse. Ça ne m'étonne pas. Les assauts des Templiers ont mis tellement d'innocents en danger. Mais si je vais au croisement pour les aider, je cours un risque, moi aussi. J'imagine mal ces réfugiés mettre leur vie en jeu pour une oreille pointue. Pourquoi moi je devrais risquer la mienne pour eux? Spécial. Votre aide touchera Solace. Si vous faites preuve d'égoïsme, les villageois s'en souviendront, même s'ils ne valent pas mieux. Si vous aidez les réfugiés, ils ne vous aimeront peut-être pas, mais ils réfléchiront avant de vous traiter d'oreille pointue. Très bien. De toute façon, si les soldats de l'Inquisition m'accompagnent, je cours sans doute moins de risques. Je vous rejoins au croisement. Laissez-moi juste le temps de rassembler mes affaires. Eh ben, tu vois, ça sert à rien de... Que puis-je faire pour vous? Rien. Au revoir. Faites attention. Au revoir. Lire la liste. Que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé vos herbes. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Oui, elles sont parfaites. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Faut encore que je lui apporte d'autres herbes. Ravi de vous revoir. Vous êtes à court d'herbes médicinales? Oui, j'en ai besoin pour éviter que leurs blessures ne s'infectent. C'est trop dangereux d'aller en cueillir dans les collines. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. C'est bon, je les ai, ces herbes. Pour votre aide. Je comprends rien. Je comprends rien, c'est pas grave. Allez, hop. Alors attendez, parce que là je suis complètement paumé. Alors, journal. La voix de l'Inquisition. Non, on va le laisser tomber deux secondes. Marche solitaire. Non. C'est dans quoi là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
c'est pas ça non plus. L'entourage, c'est pas ça non plus. Non plus. C'est pas ça. Dars, c'est pas ça. Ok, bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Puis, ensuite, doit d'agir. Ok. Ok. Alors, on va revendiquer. Hop là. Excusez-moi. Voilà. On va aller voir en dessous la Kate. Hop. Hop là. Bonjour. Excusez-moi. C'est là, ma douce. Pour la première fois depuis toutes ces années, je ne rendrai pas visite à tes cendres. J'en ai bien peur. Des démons et des brigands qui empêchent un homme d'aller fleurir le sanctuaire de son épouse. Mais dans quel monde vit-on? Et si je m'occupais d'apporter les fleurs au sanctuaire de votre femme? Je ne sais pas quoi dire. Merci. Je pensais que seuls nos semblables pouvaient comprendre. Ça aurait fait plaisir à Masséna. Son sanctuaire se trouve sur une colline à l'ouest, près des alignements de pierres. Merci. Ok. Prenez soin de vous. J'aime beaucoup comment elle est assise, la meuf derrière. En mode, rien à foutre, moi je me mets comme je veux, hein. Pas grave. Ok. Ah, c'est chouette quand même le bateau. Hop là. Hop là. Ensuite. Déplacement rapide. Et une conteuse. Nul homme n'a besoin de statues aussi immenses que celles dont les vestiges trônent sur ces collines. Ces statues proviennent de rêves anciens, teintés de sang et débordant d'os, dont les hommes ont perdu tout souvenir. Méfiez-vous-en. Parlez-moi de vos camarades. On raconte qu'un esprit vivrait dans un petit lac au sud de la voie impériale. Les filles du village y apportent des fleurs dans l'espoir de trouver l'amour. Mais elles sont rarement entendues. Car c'est un esprit de valeur et non d'amour. Il préfère les lotus sanguins. Ok. On va s'amuser un petit peu après dans les marches solitaires. Hein. On aura pas mal de choses à faire. Okay, ça va être là-haut. Et voilà, c'est ce que je disais. Une timonerie. Dommage. Je suis sûr que c'est faisable. Attendez. Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. On fait le tour, hein, des fois qu'on pourrait quelque part. Mais non. Ok, d'accord, je me casse la gueule en fait. Le jour où un mage du sang a empoisonné le Yarn. Ce sont les cendres d'Andraste qui ont tiré le Jarl de son sommeil enchanté. Ouais, ouais, ouais. Je vois un truc de fait archive personnelle. J'ai pas de points. Blackwall, il y a 9 points, Blackwall. Alors, arme à deux mains, arme et bouclier, maître de guerre ou avant-garde. Ils servent d'appât. Ouais, ça peut être mal ça. À l'aide d'une chaîne accrochée à des muscles, vous pouvez tirer votre cible jusqu'à. Ok. Ok. Vous savez comment décourager vos ennemis, vos coups critiques, affaiblissent sérieusement vos cibles. Et l'autre c'est. Ok. Ça aussi, ah, ça c'est pas mal. Ça par contre, ok.
Ça, je prends aussi. Vous reprenez votre souffle plus rapidement que ce qu'on entend, c'est plus beau, et plus rapidement. Ouais. Et. Ok, ça c'est pas mal. Et ok. Appliquer. Voilà. Ensuite, Sera, qui est un peu dans la même merde. Du coup, dague double. Merde. Combat à distance ou sabotage. C'est quoi, attends, c'est quoi l'autre? Superfuge. Sabotage, on a quoi? Arme empoisonnée. Vous recouvrez aux armes d'une toxine mortelle empoisonnée ainsi vos ennemis à chaque pour une courte durée. Vous semez derrière vous des pointes qui blessent et hantent ses ennemis pour chasse. Non, ça, ça me plaît bien, ça. Bonus dégâts un peu plus. Coup fourré. Vous fabriquez des toxines plus puissantes et affligez les blessures plus profondes. Ok. Vos poisons glacent le sang de vos cibles. Les ennemis qui meurent sous l'effet du poison explosent dans un brouillard toxique. Vous lancez un grappin léger sur une cible, puis tirez un grand coup et tirez ça à ses côtés. Non, je vais faire ça. Ok. Et ok. On va faire ça. Ok. Et combat à distance. Ok, vous trouvez des points faibles ennemis. Ok, ça je prends. Ça je prends. Ok. Ensuite, on a Solas qui a un point lui aussi. Ok, on va prendre ça. Hop là. Ok, on a amélioré un petit peu tout le monde. C'est plutôt cool. Alors, je vais juste voir un peu la carte. Ok, donc c'est juste là-bas, donc c'est pas grave en soi. On va aller vite fait cette quête-là. Et je vais aller après la porter le lotus dans le lac que la comtesse nous a dit de faire. Et des fois qu'on trouverait l'amour, ce serait quand même pas mal, hein. Ah, je déconne. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien, comme on dit. J'aimerais bien qu'on ne s'occupe pas de ça. Retrait. S'il vous plaît, on va perdre de la vie inutilement. Ce serait gentil. Va te faire foutre. Alors. Retrait. Ah, mais c'est quoi le bordel, là, sérieusement? Faut que je monte là-haut en fait, c'est ça. Voilà. Placer les fleurs. Lire. C'est là, bien aimé, que tes cendres soient récoltées par Falandin et apportées en lieu sûr après m'avoir aidé pour toutes ces années. Ok. L'embrume. Ouais, super. En mode... Ah, la foutre. Non, il n'y a pas des Sera, c'est retrait. Allez, venez là, là, putain. Après, vous allez dire, on est tous morts. Bah oui, mais en même temps, c'est un peu cherché aussi. Ah, là. Journal des quêtes. Et l'esprit du lac. Carte. L'esprit du lac qui est là. Hop, on va faire directement. Se rendre sur place. Voyage en cours.
Non, je sais pas ce que ça va pouvoir nous apporter quand même le lac là, on va savoir. On va savoir. Alors. Oui, je sais. On va prendre la monture. Enfin. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je vais pas monter sur le cheval. Pas c'est quoi son bordel encore une fois mais... Allez c'est parti on va passer par là Allez, c'est parti. Hop. Hop. Placé. Fouiller. Épée à deux mains du seigneur de guerre. Ok, je prends. D'accord, ok, c'était tout. C'est bizarre, ce lieu ne me dit rien du tout. Je semblais pas avoir été, en fait. Ah si, c'est là que j'ai rencontré notre ami. Non ? Si, c'est là que j'ai rencontré Blackwall. Qui est là. Il me semble bien. Alors, carte des quêtes. Nous, on va retourner. On va retourner là. Village de Golfalois. On va aller voir. Merde. On va aller voir. Hop, ça. C'est bon, on a apporté les fleurs à ta femme. Toujours aider les gens, toujours. Toujours être gentil. Mais c'est uniquement pour ça. Alors, le veuf est derrière, excusez-moi. Je suppose que vous n'avez toujours pas vu le sanctuaire de ma chère Senna. Je sais que ce n'est pas tout vrai. J'ai fait le nécessaire. J'ai nettoyé le sanctuaire de Senna et j'ai déposé vos fleurs. Puisse Falandine trouver ses cendres et les porter en lieu sûr. C'est elle qui m'aura guidé durant de longues années. Merci du fond du cœur d'avoir aidé le pauvre homme que je suis. Merci. Que votre inquisition soit aussi bénéfique à cette région qu'elle l'a été pour moi. Ok. Merci encore, camarade. Ok, ok. Bon, moi je vais juste faire un truc vite fait. Inventaire. Alors, arme. Je vais prendre Blackwall. Qui est un niveau 7. Et là, il faut un niveau 8, forcément. Et là, niveau 9. Ok, forcément. Alors. Épée à deux mains du seigneur de guerre. Je vois ce qui pourrait lui être plus bénéfique. Apparemment, l'épée à deux mains, elle est pas mal. Ouais. Ok, elle est moins large. Quoi. Ça, par contre, c'est hyper efficace. Ouais, tu vas prendre ça. Ouais, c'est bon, tu vas équiper. J'avais un gros doute en fait sur le moment. Je me suis dit, attends, il est là ou pas? Ensuite, Serra, arme. Ah bah j'ai rien d'autre pour toi en plus, c'est dommage. Toi, faut que je t'achète quelque chose. Bon, ensuite, armure intermédiaire de l'armée libre. Ok. Ouais, y'a rien d'autre qui va pouvoir t'aller, de toute façon. Solas.
Je suis dans vers après. Tu vois, tu as ça. Ok. Et celui-là, tu seras beaucoup mieux avec. En plus, ça donne vraiment un beau style. Hein. Franchement, je le trouve super magnifique. Elle est vraiment belle. Rien à dire. Elle est vraiment, vraiment belle. Armure de Serra, je viens de la faire. De manière. Solace, il n'y a rien à faire. Et ensuite, pour moi-même. Pour moi-même, il n'y a rien non plus. Je pense pas. Non. Ensuite, accessoires. ceinture de résistance spirituelle améliorée. C'est quoi déjà ça? Je vais peut-être lui donner ça parce que c'est quand même lui qui est le plus près au combat. Donc. Ok. Et amulette de surcharge, de recharge. Ok, on va faire ça. Ok, ensuite accessoires. Ok, on a rien à donner. Bon, on est pas mal. Moi, je vais aller faire un petit tour au vendeur. Non, là, apparemment. Marchand. Acheter, vendre. Alors, on va passer par vendre, déjà. Vendre des armes. Je vais vendre ça. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je vends sur la deuxième. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vais garder. Ça, je vends. Ça, je vends. Idem. 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 Ensuite, armure. Voleur niveau 11. Elfe, nain ou humain. Personne n'en veut, de toute façon. Voleur niveau 3. Il faut être un voleur. Un guerrier. Ça, je vends. Ouais, on va vendre ça aussi. Accessoires. On va les garder. Amélioration. Objet de valeur. Tout vendre. Et voilà. Maintenant, je vais acheter. Juste acheter, acheter, acheter. Ah, tu vends que des schémas d'armes et schémas de machin. Okay. Donc, épée à deux mains de Templier. Maillet pointu, hache à double talon, batte archiviste, pavois, masse d'armes, clé renforcée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Truc à lire. Je ne me ferai jamais à ce ciel. À la surface, tout semble mouillé. T'es un peu spé, je trouve, mais bon, après. Comme on dit, chacun a sa particularité. Bon, moi, je vais aller voir l'autre marchand, parce que j'ai vu qu'il y a un autre marchand là-haut. On va aller voir l'autre marchand. Qui était de pouvoir me vendre des choses. Un peu plus importante. Fiter que sur passant par là, ça fait un raccourci. Non, même pas. Même pas eu le droit de mon raccourci. Alors, on a quoi? On a le marché. Puis-je vous aider? Ouais, tu vas peut-être pouvoir m'aider. J'aimerais acheter une arme pour ma. Pour ma petite. Un chardonnacien, un dague de foi, arc long du franc tireur, arc long chasse solide, Serra, voilà. Alors Serra, est-ce que quelque chose t'a attiré?
Ça tirait pas mal. Donc je vais prendre le premier dans ce cas-là. Putain, il impose, hein. Il impose vraiment beaucoup, je trouve. Hop, on va prendre ça. En armure, il n'y a rien à vendre extra non plus. En amélioration, manche avec garde-main à une main d'exception. Ok, pommeron. Poignée pointue de dague, poignée augmentée d'arc long. Manche à pointe d'arme à une main. Ok. Hop, hop. Allez, c'est pas mal. Et c'est quoi votre marchand du coup là-bas? Oh putain, mais poussez-vous aussi, merde. Hop. Bonjour, inquisiteur. Et toi, tu as que des armures. Et t'as de belles armures. Elle est pas mal en plus, elle est belle, hein, je trouve. Voleur niveau 8, nickel. Moi, je vais prendre ça pour moi. Ensuite, Black Wall. Je pense que c'est une belle armure déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour elle? Il reste ça. Ok, donc il reste ça. Hop, Solace. Ok. Et du coup, moi, j'ai déjà pris mon truc. Ok. Hop. Donc du coup, je vais rhabiller tout le monde. Du coup, alors armure. Hop, ça c'est pour moi. Ensuite, Serra. Hop, je donne ça. Et cela c'est rien d'autre. Ensuite, en arme. Serra. Arc de chasse. Hop. Hop. Et puis voilà. Ensuite. On va aller faire un tour là-haut. Jimmy le Borgne. Excusez-moi, vous faites partie de l'Inquisition? Lors de votre périple, vous n'auriez pas croisé par hasard un bélier un peu différent? Monseigneur Tricot s'est enfui. Et il est unique en son genre. Si vous le retrouvez, je vous en serai très reconnaissant. Unique en son genre. Qu'est-ce qui fait que ce bélier est unique en son genre? Eh bien, il a toujours porté chance à ma famille. On doit une bonne partie de notre fortune à ses conseils. Votre bélier vous a donné des conseils? C'est un bélier très spécial. Votre bélier a disparu? Oui. Je suis convaincu que si vous lui dites qu'il manque à son Jimmy, il reviendra immédiatement. Il est sans doute à notre vieux chalet de vacances, au bord du lac des collines du sud. Si vous le croisez, dites-lui de rentrer. Je vous récompenserai grassement. On se reparlera plus tard. Dites-lui de rentrer. Alors, je sais pas ce que vous pensez. Mais alors, moi, j'en pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais en fait, je suis quelqu'un de curieux. Et voilà, je vais y aller. Automatiquement, je vais y aller parce que ça... Il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de vraiment pas net. Qui me pousse à me dire, va voir ce que c'est. Parce que... Bélier unique, bon, ok. Qui donne des conseils. Ouais, voilà. Donc je suppose qu'il y a quelque chose derrière. Et j'ai envie de savoir quoi. Alors... On va aller voir ce que c'est directement. Passer par là-bas. Yeah.
Alors, un bélier unique qui s'appelle Trico. Tout est pas unique. On va descendre. Ah, ça va être lui là-bas. Seigneur Trico, je présume. Un jeune homme du nom de Dimitri devrait être conseillé à la maison. Ah, parfait. C'est tout ce qu'il va faire. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Bon, voilà, il s'appelle Trico. En fait, c'est parce qu'il avait un pull, je pense, sur le dos, tout simplement. On sait rien, enfin. On va essayer de mettre plus quand même. Allez. Voilà. Je ne sais pas qui c'était, mais ils ont dû en fait. Allez, attaquez ma cible, tout ce que vous en êtes. Allez. Eh, vous avez vu, c'est beaucoup plus vite, hein, quand même. Hein. Vu qu'on a fait les améliorations tout à l'heure. Ah ouais, franchement, y'a rien à dire. Hop, de la peau d'ours. Hop. Elfidé, on prend. On va prendre ce qu'il y a là-bas également. Cette brèche, c'est dur de la quitter des yeux parfois. Ouais, parce que vous savez à quoi ça ressemble? Non, rien à voir. Vous savez. J'adore. Franchement, c'est Na, je l'adore. C'est rare. Je l'adore, elle est vraiment unique en son genre et j'adore. Elle fait rire toute la petite compagnie. Bon, on va retourner voir Jimmy pour lui dire on a retrouvé ton bélier. Alors moi je suis pas là mais il s'est sauvé très très loin quand même. Hein. Je vais te passer. Et du coup, c'est là-haut. Voilà. Le seigneur Trico. Ah, il est revenu plus vite que nous, ouais. Dit que vous l'avez convaincu. Tenez, pour vous remercier. Vous avez donné quoi? Merci, du fond du cœur. Je suis tellement. Et il était plus vite que nous, ce con. Trico. Franchement. Je vais faire une dernière quête qui va être les marches militaires, celle-là. Voilà, je vais faire celle-là. Donc, je vais essayer de passer par en dessous pour pas déclencher la quête du haut. Hop. Hop. Tanner, puis-je vous aider? Vous êtes une trafiquante. J'ai trouvé la lettre que vous avez envoyée à un templier du nom de Coran. Quoi? Merde! Ça ne prouve rien. Une lettre d'un templier renégat? Ça n'intéressera personne. Alors, vous comptez faire quoi? Vous souillez la chanterie. À une époque, la chanterie noyait les trafiquants qui se faisaient passer pour des sœurs. Ce n'est pas une belle mort. Je me demande si ça se fait toujours. Je pourrais mener mon enquête. Ou alors, vous pourriez mettre vos talents au service de l'Inquisition. Et vous garderiez le silence? Personne ne serait au courant? D'accord, j'accepte. L'Inquisition est une valeur sûre, ces temps-ci.
Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour recruter des gens? Ah, j'ai recruté un agent. En lui disant, tu as trahi. Voilà, donc en fait, on a recruté une personne qui trahit les siens. Ça donne envie, hein. Franchement, ça donne vachement envie. Ah, il y a quelque chose derrière. Ah, je suis trop loin. Ceci est trop loin. N'empêche, voilà, je me mets là, mais... au niveau de la vue, franchement, on est bien, quoi. Bon, bah voilà, les gamers, je vais vous laisser là. Donc on a visité Golfalo un petit peu aujourd'hui, et puis on a rempli quelques quêtes. Donc la prochaine fois on ira comment parler à Fiona sur la Golfalo, là, enfin on sait le truc là-bas pour l'acquisition. Donc voilà, en espérant que ce gameplay vous plaît, que l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, partager et aimer. Voilà, allez, à bientôt les gamers.